Eh oui, coucou les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Mister Ghost, une chaîne exclusivement Lego au 100% du jeu, comme d'habitude, et bien entendu, j'espère que vous êtes bien installés, car on va aller faire l'épisode 4 de Lego Star Wars, le réveil de la force, au 100%, et là, on va aller sur l'avant-poste de Naïma, et on va le faire en mode jeu libre, voilà, et on fait du début, parce qu'on a quand même 4 mini-kits. Alors là, on va essayer de prendre... Bah, il me plaît, lui, on va aller voir ce que ça dit avec lui, et puis on va... Hein. Et puis, on va aller prendre... Bah, il me plaît, lui, on verra après par la suite de ce qu'il me dit. Mais, je suis pas certain. Et ben voilà, les amis, on se retrouve ici avec lui. Alors là, on va voir ce que ça dit. Hein. On va déjà faire un gros nettoyage de printemps. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Bon, voilà. Hop, il veut pas le faire. Et il me faut impérativement V pour le faire. Ah d'accord, ok. Alors là, on va refaire un nettoyage de printemps. Voilà, hop. Et comme on va pas trop s'attarder pour faire passer les autres personnages, hein. Hop, voilà. Et c'est avancé ou tourni? Ah non, c'était sur la gauche. Donc j'ai un peu foiré mon coup. Et un droïde. Droïde. Non, non, pas un droïde. Il me faut un Stormtrooper. Allez, vas-y, on va refaire le Stormtrooper en blanc. Hein. Voilà. Du premier coup. Facile, hein. Oui, je sais, je rigole. C'est... Et c'est parti, on va voir un peu ce que ça dit. Hein. Si je peux passer, ça m'arrangerait. Alors on va mettre celui-là là, et on va voir un peu ce que ça dit. Et toi, tu peux le faire. Voilà, hop, on vise le petit oiseau, qui fait toujours plaisir. Ah oui, les amis, il faut viser. Hein. Ah oui, là il nous faut BB-8, de ouf. BB-8 qui va nous avancer tranquillement. Hein. Et comme je suis avancé sans le premier personnage, bah, je vais avancer quand même avec le deuxième. Hop. On va aller prendre notre ami Amiral Akbar. Hein. Ah, c'est pas ce que j'avais prévu, mais bon. Oh, petit oiseau. Voilà, le petit oiseau. On va ici essayer d'accélérer, faire comme... Eh ben, ils vont me lâcher quand même. Hein. Et voilà, on a... Voilà, hop, on va faire ça. Ah, tu voulais jouer au malin, bah voilà. Hein. Ce qui arrive avec moi quand on fait le malin. Voilà, hop, c'est fait. On va reprendre BB-8 après hein, la petite... hop là. Et... Ah non, c'est tournicoti, tournicoton. Avec le petit joystick. Hein. Yo! Et là... D'accord, ok, j'ai vu qu'est-ce qu'il fallait faire. Il me faut Ré. Ré, Ré, Ré. Voilà, hop. Ça, c'est bien fait. On est bon ici et on va aller construire notre petite tourelle. Mais avant d'aller faire le restant de l'histoire, regardez. On a ici un petit... Voilà, c'est ce qui s'appelle un petit mini-kit. Tranquillou. Alors là, on peut passer, hein, tranquille. On va aller voir nos amis ici. Ça, c'est fait. Et on n'a plus rien à faire. On va aller libérer les petits... Bah, moi, j'appelle ça des dinosaures. En haut? Non, faut tourner. Ah non, c'est en bas. Bah, désolé. Et encore pompé, hein. Voilà. Hop. Et avec...
Et lui, il nous fait quoi là? Et avec lui, je peux pas taper? Bah si, je peux taper. J'ai même pas besoin de libérer. Voilà, on va libérer un petit peu le passage. Bah il y a la force de Hulk là, regarde. Et lui, il peut le faire ça? On va voir. Bim! Bah, et c'est qui peut le faire? Tranquille. Hop hop. Parce que là, on voit un mini kit. Ok, bon, y a plus rien. Alors, qu'est-ce que c'est de ça? Alors, vas-y, qu'est-ce que tu me fais? Oh, et... C'est un R2-D2, hein, si je me trompe pas. Ça y ressemble beaucoup, hein. Il y a même celui en rouge que j'aimais bien, moi. Je trouvais plus beau que le R2-D2 avec le bleu et blanc. Ah ouais, c'est des R2. Bah, c'est celui-là que j'aime bien en plus. En rouge, il est bien. Moi, j'adore. Après, dites vos impressions, n'ayez pas peur, hein. Et voilà, on prend le quatrième mini-kit, mes amis. Hop, on va changer de bonhomme. Et puis, on a fini dans cette zone-là, hein, donc... Ils veulent s'attaquer vraiment à quelque chose de balayé. Voilà, allez, on y va, on continue notre petite aventure. Et je pense qu'on va bien se marrer. Quoi ? Mais c'est que ça barde quand même, hein. Bon, là on va aller faire le tri à tout de suite. On va faire un peu le ménage tout de suite. Voilà, hop, ça c'est fait. Ah non, hop. Hop. Là, voilà, celui-là, cherchez après celui-là. Hein. Hop. Ça, c'est bon. Et comme on a vu, on a un petit mini-kit ici. On va aller le chercher tranquillement. Hop, voilà. On va aller le chercher d'abord. Hein. Et... Hop. B. Et dans les dents. Oh, 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 oh. Ah, j'allais dire, je pensais qu'il fallait seulement le construire. J'allais dire, et là, ils se sont un peu abusés quand même. Non, toi, tu sais pas construire, mais toi, tu sais construire. On va d'abord aller là, hein. Et je pense que BB-8... Ah non, pas BB-8, rien nous suffira largement. Et on va faire le deuxième. Voilà, et le dernier, on va prendre BB-8 là, c'est sûr. Oui, c'est sûr, voilà. Hop, BB-8, c'est pour toi, boulot. Là, ce serait monté, hein. Monté. Ah non, encore sur la gauche, j'ai encore perdu. B. Oh non. Tu montes ou pas? Voilà, hop. Allez, on pousse. Je vais pas faire ça tout seul quand même. Bon, que je l'ai fait, hein, la dernière fois tout seul, je me suis pas trompé, hein. Bah lui il tire en plus, c'est cool. Voilà. Et bah on va continuer notre petit bonhomme de chemin là. Et comment on fait pour tirer? Bien là. Allez. Et on va... Voilà, là c'est ce que je pensais. Il faut tourner la petite manivelle, hein.
avec le joystick. Hop là, et puis moi aussi je fais la même chose, regardez. Oh, ça sent la baston du tir en médaille. Il y a un baraclé quand même, mais bon, on va y arriver, vous inquiétez pas. Et le victoire, véritable Jedi, il est bon. Je vais prendre quelqu'un beaucoup plus résistant, vous allez voir. C'est lui, hein. Ah non, c'est pas toi. Attendez, hop, on va faire ça. Il est où, lui? C'est toi, normalement, hein. Alors là, il m'en reste plus qu'un à faire et c'est bon. Là, ce qui s'appelle en pleine jette. Voilà, c'est fait. Ah non, il m'a mis la cinématique, il m'a pas remis. Oh le vache! Et tout, y'en a plus? Mais si, y'en a encore un! Et le dernier, pour finir! C'est ce qui est bon quand même, non? BB-8, on a besoin de toi! Ah, quoique! Maître Yoda peut le faire! Maître Yoda peut le faire! Oups là. Ah non, on peut pas. Là, on a besoin de BB-8 par contre, hein. Hop. Ah, j'ai pris du bon côté, mes amis. J'ai pris du bon côté le premier. Et j'ai pris le bon du deuxième. Je suis étonné par moi-même, hein, parce que j'ai jamais réussi. Alors là, si on tire dessus, qu'est-ce qui se passe? Et bien pendre. Voilà, et le dernier. Ça c'est bon. Voilà. Et on vise bien au milieu même de ça. Et au revoir. On a une chance. Cours. Pourquoi on prend pas ce vaisseau à droite? C'est un tas de ferraille. Le tas de ferraille fera l'affaire. Ok, étape suivante. Alors là, on a quelque chose. Attendez, mes amis, hein, je regarde parce que. Bah oui, c'est ce que je pensais, hein. Il me faut B, toi. Et après, je reviens par-dessus. Voilà, et j'avais bien vu. Il nous faut l'amiral Akbar. Et non, général, comme je disais. Et bah voilà, ça fait le sixième. Non, là, on va un peu. Là, je crois qu'il y a quelque chose là, non? Ah non, il n'y a pas quelque chose. Alors, on va aller voir maintenant ce qu'il dit. J'ai un mini kit ici, et à mon avis, c'est avec le tas de sable. Et si je me souviens bien, je crois que le tas de sable, on le déverrouille. Et ben maintenant, on le déverrouille maintenant, mes amis. Ça va être bon, je vais pouvoir le prendre et on va aller. Hop, c'est pas lui, c'est toi. Hop. Ah, par contre, je peux pas changer. Voilà, j'étais bon, mais. Il y avait quelque chose qui m'embêtait. Eh ben, on est quand même au 7ème. Ah, il est bon quand même, hein. Ah non, il faut que je le reprenne. Oh, il faut que je le reprenne. J'ai un tas de sable à déverrouiller, là, dans le coin. Ou je sais plus. Mais je sais, j'en ai un. Oh, c'est peut-être là. Voilà. Oula. On va d'abord faire celui-là si mes souvenirs sont bons.
Et il me faut BB-8. Voilà. En haut. Voilà, j'avais raison. Bon, au bout de la dixième, j'ai raison. Et non, pardon, je me suis trompé. Et on remet pas ici. Ah non, pas besoin. J'ai pas besoin. Je pensais que j'aurais eu besoin de BB-8. Donc c'est tout ça que je cherchais, mais non. Par contre, là, il me faut un petit personnage que je peux pas prendre. Y. Alors là, c'est à l'œil qu'il faut viser. Ah, dommage, j'aurais dû attendre. Ah, il est passé à travers nos balles. Bon, c'est quand il veut, hein. Ah, attendez. Hop. Il en reste plus qu'un. Alors vas-y, toi, t'es devant en plus. Tu arrives droit devant moi, mais t'es pas bien. Eh ben. C'est ce qui s'appelle faire un grand nettoyage, hein, parce que là, il n'y a plus rien. Bon, c'est pas grave, on va aller prendre directement notre Millennium. Le poste de tir est en dessous. T'as déjà piloté ce truc? Non. Il y a des années qu'il est cloué au sol. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Qu'est-ce que c'est que ça? Beaucoup de... On a beaucoup quand même, hein, là. Alors là, on a des flèches qui apparaissent. J'ai touché A sur 4. Mais quoi, je sais pas. Ah d'accord, ok, c'est le pont à viser. Donc il va pas falloir me louper. Il faut pas que je me loupe. Et 4, le v'là. Ah mais toi tu veux me toucher toi, t'es sérieux. Et hop. Qu'est-ce qu'on monte? Qu'est-ce qu'on monte mes amis? Alors là, j'ai déjà touché ce que c'est là. C'est quoi ça? 1, 2... C'est quoi? Je vise mais tout sauf ça. 2... Le voilà. Et on les enchaîne les mini-kits. Oh, j'ai un mini-kit ici. Non... Ça serait directement ça? Bah oui mes amis, regardez. Oh. Eh bien les amis, on a fini cette petite excursion. Nous on va quitter sagement ce niveau, sauvegarder et quitter bien sûr pour découvrir le mini kit et toutes les pièces. Vidéo assez sympathique je trouve. Donc qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le dire, je compte sur vous surtout. Alors là on a fait le véritable Jedi, merci le jeu. La brique rouge qu'on avait déjà vu, qu'on avait déjà débloqué au gameplay précédent. Nous avons les 10 mini-kits qui va nous représenter. Qui nous représente? Qu'est-ce que ça va nous représenter à votre avis? Ah oui, la tour qu'il voulait prendre au début. Ah, c'est magnifique, c'est bien joué quand même. Bah, sur ce, mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Les deux véhicules. C'est bon aussi ça.
Et si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas à le faire, j'y répondrai assez rapidement. Mais pour l'heure et pour l'instant, je vous laisse en très bonne compagnie du prochain gameplay. Et je vous dis à ciao et à la prochaine fois. Bye bye.